مؤثرة وأخرى سعيدة تابعتموها دائما عبر قنوات التلفزيون الجزائري، وعشناها اليوم منذ بداية حفل الكرة الذهبية الذي تشهده اليوم قاعة أوبرا الجزائر بوعلام السايح. هذه التحفة الفنية ستخلد اليوم نجما جديدا لحمل الكرة الذهبية. أما الآن فلم يبق لنا إلا لحظة الحسم التي ينتظرها الجميع. Oui Yasmine, cher public, chers téléspectateurs, nous voici donc arrivés au moment décisif. Le moment de découvrir le grand lauréat de cette 17e édition du Ballon d'Or, organisée par El Hadaf et le Buteur, sponsorisée par Mobilis, qui aura l'insigne honneur de soulever le trophée tant convoité. Que d'interrogations, que de questions. Les cinq joueurs nominés doivent avoir le ventre noué et frissonner de tout leur corps. L'attention est de plus en plus forte et ils attendent pour découvrir celui dont le nom est mentionné dans une enveloppe qui va arriver pour connaître l'heureux lauréat de cette 17e édition du Ballon d'Or algérien organisé. L'enveloppe est déjà là, Paolo Maldini la tient, il va l'ouvrir. Le Ballon d'Or algérien dans sa 17e édition est décerné ce soir à... Sono contento che sarà Fawzi Ghulam. Fawzi Ghulam qui succède à Riyad Mahrez, le meilleur arrière-gauche italien, deuxième meilleur défenseur, également auteur de 16 passes décisives lors de cette saison 2016-2017. Fawzi Ghulam, le défenseur de charme de l'équipe nationale, qui succède à Riyad Mahrez. إذن كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام عبر قنوات التلفزيون الجزائري، فوزي غلام مفخرة الجزائر وصاحب الكرة الذهبية لموسم 2016-2017 ليكون المتوج الرقم 17 بالكرة الغالية. وندعو السيد الوزير الشباب والرياضة للالتحاق بنا للمنصة لتكريم البطل. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur El Hadi Weld Ali, pour partager ce moment. Fawzi Ghulam qui se fera remettre le 17e ballon d'or algérien des mains de Paolo Maldini. J'allais dire pour vous, Fawzi, aujourd'hui, franchement, un numéro 3 qui remet un arrière-gauche, qui remet le ballon d'or en arrière-gauche. C'est pur hasard, mais ça tombe bien. Fawzi Ghulam,
en tous les cas, qui aura mérité sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Fawzi Roulem, le ballon d'or algérien, le latéral gauche le plus efficace en Europe. Il a été classé parmi les meilleurs latéraux, juste derrière Marcelo. Il fallait le faire. Alors, Fawzi Roulem, nous vous invitons à rejoindre le pupitre. Tout d'abord, simplement, votre sentiment de succéder à Riyad Mahrez. On dit souvent que c'est très dur pour un défenseur de remporter un ballon d'or. Vous l'avez fait avec brio. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens déjà à remercier le buteur et la HDF pour cette récompense. Après, c'est vrai que je suis très heureux de l'avoir remporté parce que j'étais en concurrence cette saison avec des grands joueurs. Donc, je suis très content. Et aussi, le fait de représenter un peu les défenseurs, ça fait plaisir aussi parce qu'on a un rôle un peu plus ingrat par rapport aux attaquants et ceux qui marquent des buts. Donc je suis très heureux, même si, comme je le dis tout le temps, je préfère que ce soit des attaquants qui le gagnent parce que ça prouve que l'équipe nationale aura bien marché et dans leur club, ils auraient fait des grandes prestations. Donc je remercie tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, les vraies stars, c'est les anciennes générations qui ont permis à des joueurs comme nous de pouvoir s'exprimer sous le maillot de l'Algérie. Et là, je tiens à remercier tout le monde et merci beaucoup pour cette récompense. نحن اليوم من نشكرك على تشريك الراية الوطنية عاليا في مختلف الملاعب الأوروبية. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous faire remettre le ballon d'or par Paolo Maldini? Je suppose que c'est un moment qui va rester gravé à jamais dans votre tête. Ah, bien sûr. Pour moi qui joue en Italie, qui joue à Naples, c'est une référence à mon poste et aussi une référence en termes de longévité parce qu'il a une carrière qui est assez longue. Et qui est surtout dans le même club, qui est un très grand club, qui est le Milan AC. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un honneur de recevoir le prix de la part de cette personne. Et c'est un honneur aussi d'être là et d'être présent avec toutes ces personnalités qu'il y a aussi ce soir. Donc je remercie tout le monde. فوزي غلام كما لاحظنا جميعا مشوارك هذا الموسم الذي كان استثنائيا بالإصابات لكنه تخطاه بكل جدارة واستحقاق طبعا هذا نظير السند المعنوي الذي يحظى به فوزي غلام لسهرة اليوم وكدائما في مشواره الكروي إنهم والدي فوزي غلام الحاضرين معنا اليوم On dit que vos parents ont joué un grand rôle dans votre carrière, notamment votre papa Fawzi. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir été éduqué par des grandes personnes et aujourd'hui j'espère leur faire honneur parce que c'est la chose qui me tient le plus à cœur. Donc aujourd'hui si je joue au foot et c'est un peu pour eux, et surtout pour eux et pour ma famille aussi. Eh bien Fawzi Roulem, on a une surprise pour vous, on va la découvrir ensemble. الأخضر غلام والد الدولي الجزائري فوزي غلام واحد من هؤلاء الأبطال الذين أهدوا الجزائر جوهرة رفعت راية بلد المليون ونصف المليون شهيد عاليا في مختلف المحافل الدولية. والله أنا في الصغر تاعهم كي كانوا صغار كل عام ندزهم هنا للجزائر حبيتهم باش يتكلموا العربية وكل شيء يعني ما الأخضر غلام من بين الجزائريين الذين عانوا الأمرين في ديار الغربة لكنهم لم يقطعوا صلة الرحم بالأهل والوطن فلم يمنعهم بعد الديار من تنشئة الإبن البار الذي ساهم في إهداء بلد الثوار تأهلا تاريخيا إلى الدور الثاني من كأس العالم الابن البار أكد أنه من طينة الكبار بتشبثه بدين الأخيار وضربه لأقوى الأمثلة بقيامه بالاعتمار رحت معاه أنا في العمرة هذيك رحت معاه وخلص لي زوج حجيات يعني الحمد لله ربي يجازيه بالخير ربي يستر ويغفر شكرا غلام والشكر الأكبر لعمي الأخضر غلام الذي فهم دوره الحقيقي كأب يعيش في ديار الغربة وفهم أن له دور في مستقبل ابنه الرياضي لأن الأمر يتعلق بتمثيل راية وطنية
عمي الأخضر أبى إلا أن يسير ابنه فوزي على خطى أبطال منتخب جبهة التحرير الوطنية الذي زعزع العالم وعرف كيف يكافح بسلاح صوته أضحى مسموعا وكرة القدم. إذن كانت هذه صور معبرة جدا من والد فوزي غلام. من منا أقول لا يحظى بالسند المعنوي من الوالدين ومن غير الوالدين الذين يشكلون لنا الأقول الذين طبعا. Et on invite Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports à remettre ce trophée aux parents de Fawzi Roulem qui ont joué un grand rôle pour sa venue en équipe nationale. C'est ça aussi l'éducation des familles algériennes. نذكر فقط أن والد فوزي غلام من بتنا وأم فوزي غلام من عنبة سيدتي المحترمة. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. سيدتي المحترمة تفضلي معنا. مدام غلام, on vous a pas entendu, on a entendu monsieur Roulem et on veut vous entendre aussi un mot peut-être sur votre fils ou monsieur Roulem, quand vous voulez. تفضلي معنا سيدتي. Monsieur dame. Mesdames messieurs, veuillez rejoindre le pépitre. Voilà, مدام غلام préfère rester avec son fils, elle est heureuse. طبعا تفضلي معي سيدتي. الوالدة تصر على البقاء مع الابن. طبعا سيدي تابعنا الكثير من خلال كلماتك المعبرة لابنك فوزي غلام. ما يمكن أن نعرفه عن غلام غير باين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد نشكر جميع الناس الحضارة هذو ونشكر جميع الناس اللي هما يعني ساندوا ولدي باش دا هذا البالون دور. وتفصلنا فخور بولدي فخور بالجزائر كذلك. شكرا لك سيدي, أنتم من أمجدتم لنا بطل هذه الجزائر. سيدتي سادتي متتبعينا